Ce qui va plus vous enrichir, c'est le fait de gravir la montagne, c'est l'ascension, le voyage, la personne que vous devenez, qui se débat, qui trouve beaucoup de solutions, qui essaie d'être le maximum créatif dans l'adversité. C'est cette personne-là que vous devez aimer et c'est ce processus-là que vous devez adorer dans ce combat intérieur et dans vos défis intérieurs pour obtenir ce que vous voulez. Et souvent, on est avoir de meilleures relations, de meilleures finances, peut-être ça peut être une meilleure santé aussi. Mais quel que soit le défi qui est le vôtre, attention, c'est un énorme défaut de la plupart des gens, ils ne pensent qu'au sommet. Et le danger de cela, c'est que vous allez arriver consciemment ou inconsciemment à vous dire « je serai heureux quand ?»« Je ne serai pas heureux avant d'avoir ?» Mais il y a une chose qui est incroyable, c'est que lorsque vous vous concentrez sur la personne que vous devenez, sur les bénéfices de l'ascension, sur l'enrichissement que vous éprouvez dans l'ascension, durant le voyage, ça rend la démarche beaucoup plus agréable. Il y a du stress, mais ça fait du sens.